va jouer une mélodie assez calme pour commencer, qui est inspirée de la musique de l'Inde, qui est inspirée d'une chanson. Et vous allez entendre les tablas, vous connaissez déjà, je crois. Les tablas, vous avez entendu parler déjà? Les percussions. Non, c'est les percussions qu'a Vincent. Ouais. Et dans le morceau qu'on jouait, je faisais un rythme qui était cyclique, ça veut dire il revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui était sur trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, datuna, 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 datuna. Cowboy, mais on s'en sert un peu différemment. Kang lintang kumadang. Ma chère Sinta, en m'épousant, tu aurais dû vivre dans le luxe d'un palais. Mais quand j'ai choisi de vivre en ascète dans la jungle, tu as préféré me suivre et m'aider à accomplir mon dharma. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces expériences? Ô Rama, seul le dharma révèle l'unité sous la diversité des apparences. Oui, Majesté. Regarde en bas. Le prince Rama et sa femme Sinta. Au trône d'Ayodhya, il a préféré une paillasse d'ermite. Ça se mélange. Donc du coup, il faut toujours
que j'ai une main qui joue la mélodie, puis j'ai une autre main qui joue la mélodie, mais après juste pour arrêter les notes. Ça c'est quoi à votre avis? Une corne. Voilà, une corne, très bien. C'est une corne de buffle. Ah, et là, c'est une partie en bois.